t'annonce que maintenant, ton business va prendre une autre dimension des choses. Parce que je vais profiter maintenant sur tes activités et je déclare que tu vas maintenant rentrer dans une propriété de multiplication. Oh my God! Yeah.
Sois une femme de vision, un homme de vision. Be a woman and man of vision. Sois une femme de vision, un homme de vision. Be a man and a woman of vision. Dieu te peut emmener dans l'excellence. Be a man of excellence. Dieu te peut emmener dans l'excellence. Commence to make you go excellence. Et te lis plus cher. Shalom, shalom, je suis l'homme de Dieu, le révérend Alain Tchotché, l'un des pasteurs de l'église glorieuse ici présent. Et on a reçu un frère, un homme de Dieu que la mission a l'habitude d'inviter et aimer. C'est le révérend prophète Francis Ngom. Depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui dimanche, on l'a reçu et il nous a parlé de la saison. Vraiment, c'est des messages qu'on entend, mais ça dépend de qui les prêche. C'est un prophète de Dieu qui est dans la dimension prophétique et par son message, des vies ont été débloquées, des vies ont été changées parce que lui-même, c'est un homme de grâce et de bénédiction. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu avec des dons. Mais lui, c'est un don lui-même aux nations. Et raison pour laquelle l'Église est très heureuse de le recevoir. Et en ce dimanche, il a prêché et il a opéré dans le domaine prophétique comme il sait bien le faire. Il nous a parlé de la lumière qui va se faire voir dans notre vie reculée, dans notre vie sombre. Et je vous assure, son message a vraiment touché. Il est parti du fait de Genèse chapitre 1, les trois premiers versets où il est dit « Que la lumière soit ». Et je vous assure vraiment, on a vécu des moments d'intense bénédiction, des moments de grâce avec l'homme de Dieu. Et je crois que ce message a eu son accomplissement même aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ce message a son accomplissement aujourd'hui. Vraiment que Dieu élève la vie de son serviteur, que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu continue de l'utiliser dans les plus hautes sphères du monde spirituel. Vraiment, chapeau à l'homme de Dieu et aussi chapeau à toute cette délégation qui l'a accompagné, notamment son frère, l'évangéliste Yvan Ngom. Que Dieu nous bénisse et que Dieu donne sa grâce. Merci beaucoup.
écouter Luc Oubalou, président des hommes de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Cette semaine a été bénie pour nous. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous visite. Nous avons eu un programme très nourri en semaine le jeudi. Et nous venons ce dimanche-là de clôturer avec lui. Le jeudi, c'était ma saison. C'est ma saison et c'était un programme où nous avons été richement bénis. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour sa venue. Nous serons très heureux de lui rendre visite à Londres un jour pour voir concrètement ce qui se passe à Londres. Mais pour l'heure, on va encore le garder ici avec nous durant le reste de ce séjour en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va prendre de bons moments avec nous et puis Dieu va encore le visiter. En tout cas, que Dieu le bénisse pour son séjour en Côte d'Ivoire. Merci et merci et merci. Je suis Madame Ezeason Emma. Vraiment, c'est une grâce pour nous de recevoir en Côte d'Ivoire le prophète Ngom Clément. Il est venu faire 2 jours avec nous. Vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour nous. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il est avec nous. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Parce que l'enseignement que nous avons reçu, vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai pris ma saison. Je suis dans ma saison. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa famille. Amen. Soyez bénis. Je suis Prisca Niebo, l'épouse du pasteur Serge Niebo. Je suis heureuse d'avoir participé à ces 2 jours de programme. Nous avons reçu le prophète Ngom Francis et ça a été une bénédiction. Nous avons été richement bénis. Je prie que ce genre de moment se multiplie, se répète encore. Le thème c'était ma saison, c'est ma saison. Nous avons senti et nous croyons, nous savons que nous sommes entrés dans notre saison. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ce temple de Dieu, que Dieu remplisse à nous encore et encore ce temple de Dieu, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse ses enfants au nom de Jésus. Amen. Je suis Maman Camara de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit, conseillère principale de l'église du prophète Jean-Marie de Moreau. Et ces moments passés avec le révérend prophète Ngom a été des moments très bénis, très élevés et des moments qui sont sortis de l'ordinaire parce qu'il nous a fait comprendre par la parole de Dieu que la lumière qui fut soit pour chacun et chacune de nous et que nous devons avoir une grande vision, parce que Dieu qui nous a créés a une grande vision. Dieu a créé toutes choses pour nous, pour que nous puissions dominer. Mais nous, les chrétiens et chrétiennes, nous sommes encore là pour dire, est-ce que ça je peux? Est-ce que ça c'est pour moi? Est-ce que je peux arriver là-bas? Alors que tout est pour nous. Et vraiment, je lui dis un grand, grand merci que le Seigneur l'envoie toujours. Et je suis encore plus heureuse parce que c'est un enfant. C'est un serviteur de Dieu, un enfant de Koumansi, du même quartier que moi, qu'aujourd'hui le Seigneur a élevé dans toutes les nations du monde. C'est une fierté pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans sa vie et dans celle de sa famille. Élève-le encore davantage pour la seule gloire de ton nom. Amen. Voilà, je suis le révérend pasteur Serge Niebo, pasteur principal de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit de Makori. Voilà, nous venons de vivre des moments assez exceptionnels avec le prophète Ngom Clément Francis de Londres, de l'église La Nouvelle Alliance. Alors, c'était 2 jours de feu, 2 jours de puissance, 2 jours de gloire, dénommé saison de miracles. C'est ma saison. Et jeudi et dimanche, ça a été extraordinaire. Nous venons de terminer aujourd'hui et je peux vous dire que Dieu a fait de grandes choses. Il y a eu des délivrances, des guérisons, des miracles, des restaurations, des transformations et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous bénissons pour la vie de l'homme de Dieu qui est venu de Londres, spécialement le prophète Ngom Clément Francis, pour ce temps de grâce. Que Dieu bénisse l'église glorieuse, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse son église et son ministère. Et nous préparons pour d'autres éditions. Que Dieu bénisse tout le monde. Et bonjour encore une fois de plus. Je tenais encore à me présenter, c'est moi le prophète Ngom Francis Clément de Birmingham,
Nous avons eu 2 jours de puissance, de manifestation de la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le dimanche. Et je tenais à remercier toute l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit qui ont permis que ce programme puisse se faire. Je veux remercier Pasteur Serge Niebo qui a permis que je puisse également faire ce programme dans son Église. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des délivrances, des restaurations. Nous avons vu des personnes recevoir le salut. Nous avons vu la main de Jésus à l'œuvre. Alors, pour cela, je tenais encore à remercier toute personne qui est venue à ce programme. Et nous comptons également remettre ce programme une autre fois pour qu'on puisse encore continuer à expérimenter l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, vraiment, merci pour tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui croient en mon ministère. Continuez également à être connectés parce que Dieu n'a pas encore fini. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et très prochainement, nous vous tiendrons informés pour les différents autres programmes qui auront lieu. Le thème, c'est ma saison. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même a créé 4 saisons. Peut-être qu'en Afrique, ici, on ne sent pas ces 4 saisons. Mais en Europe, on sent vraiment qu'il y a 4 saisons. Et on remarque que durant les 4 saisons, c'est-à-dire que la nature change d'aspect. Alors, j'ai réalisé que même dans la vie d'un homme, il y a des saisons. D'abord, on est bébé. Après, on devient maintenant adolescent, après, on devient adulte, et puis après, on devient des vieillards. Et chaque saison a une partie bien déterminée où Dieu fait des choses dans notre vie. Alors, je suis venu pour que la période où Dieu veut faire des choses dans notre vie puisse éclore. C'est pour cela que nous avons parlé de ma saison. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen.